Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, si je vais pas recommencer, ça va faire un peu. Je recommence. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir que ma tête a changé. Canelestie is back with glow. Voilà, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos comme d'habitude. Elle m'a coiffée. On a fait un petit changement capillaire. Voilà, c'est quelqu'un capable. Donc si vous voulez vous coiffer, si vous voulez customiser vos perruques, allez la follow. Elle a fait quelque chose de très propre. Il est sur ça depuis 14h, il est 17h. 17h, passé même. Ouais, on a fait le clown un petit peu. Ouais, bon, après, entre temps, voilà. On me sauce beaucoup, je rentre beaucoup dans son jeu. Donc bon. Donc ma perruque vient de chez Eunice Hair. J'ai pris du 24 pouces, elle est très longue. Étant donné que ma coiffeuse est là en backstage, elle va vous faire un retour sur la qualité des cheveux, etc. Voilà la longueur. Gloria, on t'écoute. Concernant la qualité des cheveux, ils étaient vraiment de très très bonne qualité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dégorge un petit peu. Donc évitez de s'habiller en blanc, en bleu, en clair. Enfin bref, portez du noir comme Canelle. Ok. Concernant là-dessus, les nœuds, les nœuds, ils sont un petit peu très présents, trop présents. Mais ça passe, franchement. Ok. Concernant la tulle, c'est une lace qui est transparente. Bon, c'est pas une HD lace, mais ça fait quand même le travail. Le seul gros bémol, c'est que en gros, la coloration, elle dégorge également sur la lace. Et je trouve ça un peu... dommage. Ouais, très dommage, parce que du coup, ça fait pas l'effet snatch comme on attend. Mais regardez comment elle est belle. Ariel, tourne la tête. Ok, girl. Ok. Elle me sauce trop. La coloration lui va super bien. En fait, elle a grave une tête à couleur. Donc on kiffe. Eh mais franchement, ayez une coiffeuse comme elle. Non, mais elle me dit jamais je suis moche. Même quand je suis démaquillée, elle me dit jamais je suis moche. Elle est tout en belle en fait. Non, donc dites-moi, vous voulez me voir avec quelle couleur maintenant? Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, quand elle m'a fait la pose, etc. Et on se retrouve après. Mais j'ai vous dire pourquoi il y a la filtrée sur le côté.
Déjà, moi je suis pas métis, je suis noire. Tu suis querelle. Non, mais c'est pas ma faute. Pas sur tes débats. Non. C'est pas ma faute si je suis sortie claire, mais mes deux parents sont noirs. Je suis d'origine martiniquaise 100%, je suis née en Martinique, je refuse. Qu'on me dise que je suis métisse, je suis noire. Moi j'ai siphonné le coton. T'as pas la rêve. Nègre des champs, coton. Le coton, je l'ai siphonné. Je viens à dire, je suis métis, je suis pas métis, je suis noire. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, me dire ce que vous en pensez. Voilà, si vous aimez bien le rouge sur moi. Là, tous les liens seront dans la barre d'infos. Comme d'habitude, code promo, lien du produit, le contact de ma coiffeuse, tout sera dans la barre d'infos. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. On se retrouve plus tard. Besos.